Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Age The Veilguard pour une nouvelle vidéo sur l'histoire principale. J'avais envie de continuer un petit peu la quête principale après avoir fait plein de quêtes secondaires, recruter tous les membres de l'équipe. On est parti pour continuer l'histoire principale. Donc c'est pas un let's play, mais voilà, je fais de temps en temps quelques vidéos dessus parce que j'aime bien le jeu. Attendez, carte. J'ai choisi, voilà, un nouveau danger. On doit retourner, on doit même pas retourner, c'est un nouveau lieu. Se rendre dans les terres marécageuses d'Osberg. Ok. Du coup. Monde. Je crois que c'est là. Ok, nouvelle, ouais, nouvelle quête. Voilà, donc on a recruté Emric, le mage de la mort. Et Tash. Je sais plus. Comment elle est décrite, elle? Une Kunari. Ouais, c'est ça. Draconiste. Donc je vais prendre ces deux-là, je pense. Lui, qui applique affaiblissement et fait détonner les cibles fissurées. Et elle, qui fait détonner les cibles affaiblies. Donc c'est parfait, on a notre combo. En plus, c'est la première fois que je combats vraiment avec elle. D'ailleurs, ça aurait été bien qu'on puisse les contrôler, je trouve. Parce qu'elle, elle a des pouvoirs, elle crache du feu. Enfin, j'ai vu qu'elle faisait plein de trucs. Il y en a un, il a... un griffon qui l'appelle à l'aide et tout. Bienvenue. Franchement, ça aurait été classe de pouvoir changer de perso comme ça. L'endroit n'est pas des plus chaleureux, mais cet endroit est inquiétant. Oui, ceci dit, ça n'a rien d'inhabituel. Mais c'est pire que d'habitude. L'enclin, c'est toujours un problème dans les Underfells. C'est pas inhabituel de trouver des endroits viciés dans la forêt ou les marécages. Ce qui est inhabituel, c'est la soudaine propagation de l'enclin dans les terres marécageuses d'Osberg. Comme dans le village que tu as découvert, l'enclin est arrivé trop vite ici. Et sous des formes étranges. Ça a étouffé toute la zone. Le village Lavendel s'est retrouvé piégé. Mais il y a des survivants. On ne peut que s'en réjouir. Alors. On va mettre ça. Et merde. Je disais bien que la donne avait changé. On avait remarqué. C'est ce qu'on essaie de prouver aussi. Autant qu'on puisse en juger, les dieux que tu traques n'étaient pas physiquement présents ici. Si l'enclin a vraiment changé, ces changements sont répandus. Quant à savoir à quel point... Je peux presque le ressentir ici. Et c'est dommage aussi qu'on ne puisse que choisir que deux personnes dans notre équipe. Parce que je trouve que... allez, trois ça aurait été quand même pas mal. Là, à chaque fois, devoir choisir alors que... il y en a qui ont des capacités super cool. Mais j'en dis déjà trop. Quand on s'est rencontrés, t'essayais de te débarrasser de ce son. Maintenant, tu l'écoutes trop. Si ça aide, c'est pour ça que nous sommes là. Puis il faut faire attention aussi aux choix qu'on fait dans le jeu, parce que là j'ai choisi d'aider une zone plutôt qu'une autre, et du coup j'ai un coéquipier qui veut plus trop participer, qui je sais plus quoi, je crois qu'il ne me soigne plus, voilà, il ne fait plus de trucs de soutien, donc plus de magie de soutien, du coup ben voilà, lui ce sera plus de soins. On va mettre ça. Bon, ça a vraiment l'air catastrophique, et on est en plein dedans. Mais j'ai l'habitude. Nous aussi. Donc c'est quoi le plan ? Suite aux rumeurs de la propagation de l'enclin ici, on s'est porté volontaire pour enquêter. Le haut commandeur attend un rapport rapidement. Si on veut apporter la preuve que l'enclin a changé, alors ici, c'est l'endroit idéal. Mais vu comme l'enclin a laissé le village, on était débordés rien qu'à le repousser et à aider les malades. Il vous en faut plus pour faire des analyses. Oui, les amas formés par l'enclin, comme les excroissances. Il y en a partout autour de Lavendel. J'ai besoin de plus d'échantillons. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors vous étudiez l'enclin ? Officiellement, non. Enfin, peut-être. Ça dépend de la définition. On voyage beaucoup. Et on a tendance à se laisser distraire par des problèmes bizarres. Qui aurait pu imaginer que je m'aventurerais si loin d'Orlaïs ? Si on veut pouvoir faire quelque chose, on doit comprendre à quoi on a affaire. Allez, on va être le premier. Je veux voir ce que je peux faire. Cet endroit a de la chance de vous avoir. C'est quoi ces flatteries ? Ça fonctionne ? Et puis quand je peux, je mets aussi quelques vidéos astuces, parce qu'il y a des coffres quand même pas très évidents à obtenir. Si ça peut aider, pourquoi pas. Attention aux engeances. Tu pourras pas chanter nos louanges si tu survis pas. C'est pas faux. À bientôt. Et comme je peux pas toujours tourner des vidéos, je me dis qu'un let's play c'est compliqué, mais par contre des vidéos de temps en temps dessus, pourquoi pas. C'est vraiment le jeu auquel je joue le plus en ce moment.
Je pensais pas, franchement, je l'avais pris parce que la bande-annonce, le trailer, tout ça m'avait bien plu. Fantastique, magie, choisir son personnage, tout ça, c'est vraiment top. Plusieurs classes, plusieurs compagnons, enfin bref, moi j'aimais bien. Mais je Besoin de pensais quand quelque même pas chose? accrocher autant, j'avoue. Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis pas convaincue, mais. Allez. Attendez, on a un bouclier pourtant utile. Ah oui, c'est pas pour nous, c'est pour Darwin. Davrine, pardon. L'épée, je... Bah ben, on l'a déjà, non? Ou ça l'améliore? Lui, par contre, c'est pas mal. On va prendre ça. Ça, je sais que ça sert aussi à améliorer plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a? On a une tenue ici. Bonjour. J'aurais peut-être dû vendre des trucs aussi. On peut vendre? Oh, Ah non, bonjour. on peut pas. Bon, très bien. On n'a rien ici. Des fois, je fais ça, ça pète un peu tout. Mais là, on n'a rien. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas si c'est des zones où on va pouvoir retourner ou pas. Du coup, j'ai un peu peur de louper des coffres. Ah là-bas, il y a un truc. On pourra se téléporter aussi ici. Je vais aller le débloquer. La croisée des chemins, non, c'est bon, on en vient. Bon, s'il n'y a rien, on va y aller, hein. On a fini de se balader. J'aime bien explorer un peu tout comme ça. D'ailleurs, il y a plein de trucs à récupérer, donc on récupère. À mon avis, ça sent la zone de combat ici, non? Quoique c'est un village, donc je ne sais pas trop. Là-bas, il y a des potions, mais j'ai tout. Ah, il y a une zone de quête là-bas, Bon, on va y aller. allons trouver ces échantillons d'excroissance. Je On pense qu'on dirait qu'il pourra y a des revenir. galeries de l'autre côté du village. On peut commencer par là. Tac. J'ai pas pété le bon. On peut pas viser, c'est sûr. On va faire ça directement. Il y a beaucoup de trucs qui se revendent aussi. Mais avant d'aller à la quête, j'ai bien envie d'explorer un petit peu. Ouais, le village est un peu. Est un Le petit peu village de mort. Rivendell. Ce qui s'est passé ici, ça ressemble à ce qui s'est passé à la croisée de Déméter. C'est encore un dragon. Pourtant, la vie est encore présente. Elle est où la quête? Ah, je vais te parler à toi. On va récupérer la quête, on la fera plus tard. Vous étiez dans les champs? Il y a une famille qui y vit, les Vos. Je les connais bien. Puis en même Ursa temps, en ne particulier. pas faire de let's play, c'est bien aussi, ça évite de trop spoiler l'histoire aussi. Avant que tout ça bon, se là, produise. Je fais une quête dessus, mais globalement. Ils savaient. Et s'ils savaient pourquoi ils sont pas là? Si je découvre quelque chose, je vous le ferai savoir. Par contre, n'hésitez pas à me dire si vous préférez des vidéos sur les quêtes secondaires ou sur les quêtes principales. Voilà, comme ça, je saurai. Il y a des coffres là. Ça, je récupère. Et je vais te parler. J'ai de la nourriture si ça vous intéresse. Mais c'est bon, pas ça sert à rien. À se mettre sous la dent De toute façon, ça sert à rien par le revendre ça. Ah si, augmente la santé. On peut prendre des trucs. Je savais pas qu'on pouvait aller dans. Pendant le combat, on peut genre avaler, ça augmente la santé. Augmente de manière permanente la santé. Ah non, ça augmente de manière permanente. Je vais le prendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Parce que moi je vends tout. Et ça fait quoi? Ça sert à rien. Ok. Vous avez ce qu'il vous faut? Parce que moi, quand je vais dans mes trucs et que je les vends, j'ai pas vu les trucs qui étaient utiles, quoi. Donc je vends tout. Attendez, ressources. Voilà, souvent je. Bon, pas ça, mais voilà. Ah bah, il y a objet de valeur. Voilà. Ça, du coup, souvent, je vends. C'est des trucs qui servent qu'à ça, je pense. Et où est le truc qu'on peut prendre là qui augmente la santé? Ou alors, on l'a déjà pris? Ça l'a déjà pris?
Ouais, parce que là, c'est vraiment que les trucs qu'on peut vendre, hein, objets de valeur, c'est vraiment que ça, mais je pense, du coup, c'est où? Le truc qu'on vient de prendre, ça s'est pris tout de suite? Peut-être, hein. Écoutez, je pense que oui. Parce que là, j'ai pas accès au truc. On a que les ressources. Matériaux, bah, je l'ai pas dedans. Ça sert à améliorer. Tout ça sert à améliorer des trucs. Je ne le vois pas, donc je pense qu'on l'a pris. Continuons la quête principale, on est là pour ça. Je visiterai un autre moment, parce qu'il y a plein de trucs. Et bon, le codex, on ira plus tard. Hein. Des fois, j'y vais. Ah bah lui, j'y suis allé, non? Vous êtes venu pour nous aider? Oh yes! Vous comptez combattre tout ça avec seulement deux gardes? Non, c'est nul, j'ai assez de trucs en feu, moi. Mais bon, ça l'améliorera. Allez. Mais tout est mieux en fait. J'ai amélioré mes trucs moi déjà. Lui par contre c'est mieux. Faudra que je l'équipe d'ailleurs. Ah ma boule de feu, elle est beaucoup mieux, la mienne. Ah la tenue, elle me semble pas mal là. Je vais prendre les tenues. J'ai envie de trouver une belle tenue. Ça c'est que des apparences. Hein. Donc c'est pas... Ça me tente pas trop. Celui-là, à la limite, bâton ailé. Je prends que des apparences. Mais en même temps, il n'y a rien. Moi, le mien est mieux. Bon, c'est pas la peine. En plus, le mien est... Ouais, le mien est mieux. Alors lui, par contre, c'est top. Hein. On va le prendre. Hein. Pourtant, je viens de lui acheter un bouclier, déjà. Bon, allez, hop. Bien, c'est un bon choix. On va l'équiper. En plus, ils ont des points de compétence, ça. Franchement, c'est la première fois que je vois ça, parce que je joue pas beaucoup à des jeux comme ça, où il y a des membres... Enfin, où il y a une équipe et tout, quoi. Voilà, c'est ici. Jeu d'équipe. Oh, la classe! Oh, la tenue! Un peu voyante, quand même, mais... Bouclier, j'ai un nouveau pour toi. Si j'avais su, j'aurais pas pris l'autre. 150, 247... Ouais, on va prendre l'autre. Attendez, si je mets celui-là... Ouais, on est pas mal. On va laisser comme ça. Et là, je vais mettre l'autre. On est bon. Je vais sauvegarder, on ne sait jamais c'est où. Moi, les apparences, je peux pas les appliquer tout de suite. Malheureusement... Je vais me mettre là. Malheureusement, il faut retourner à la base, entre guillemets. Je peux pas. Voilà. Je ne peux pas m'équiper. Si je vais dans le menu, vite fait. Après, on jouera quand même un petit peu. Il y a une quête aussi là-bas. Personnage. Et je peux pas équiper les trucs. Là, ça enlève le visuel que j'ai mis. Ça met le visuel, voilà. Mais j'ai pas les autres visuels. Par contre, celle-là, c'est une nouvelle. Enlevons le... Est-ce qu'elle est bien ou pas? Elle est pas mal aussi, mais en vrai, je préfère la mienne. Donc, on va remettre la mienne. En visuel déjà. Ok, on est parti. Je vais aller prendre, essayer de choper la quête là-bas. Et lui, ils vont aussi détruire. C'est pas lui que j'ai acheté. On a déjà eu du bois importé. C'est pas la même chose. Oh, si j'avais su, j'aurais été là. Mais l'apparence, on s'en fout. Ça, c'est une apparence. J'ai le mien déjà. Allez, je prends ça pour elle. Et le reste, je reviendrai plus tard. On reviendra plus tard. J'en ai marre d'acheter des trucs. Ah oui, merde, ça, la quête à lui. Oh, il y a un croco, et... Il est parti. Ok. Allez, donne-moi ta quête, et après on y va. Vous êtes venu pour aider la Vendel? Je m'appelle Bastian. Il n'y a pas que de l'enclin ici. Vous devez faire attention. À quoi? J'ai entendu quelque chose dans le manoir de Gaspin pendant que je fuyais jusqu'ici. L'endroit est abandonné depuis des lustres. On dit que le seigneur local avait un trésor maudit. Un jour, il a tout simplement disparu. Un trésor, ça peut être sympa. Est-ce que l'enclin pourrait réveiller une malédiction?
S'il y attire le mal, le trésor est quelque part là-haut. Il aurait dû être détruit. Mais on est là pour la quête principale, donc ton trésor, merci. Mais... que les dégâts de l'enclin aient réveillé quelque chose. On prend le trésor, on dissipe sa malédiction, voilà, alors... fin de l'histoire. Oui, mais d'abord on a autre chose à faire, donc s'il te plaît, pouf. Je vais quand même t'équiper parce que... je t'ai acheté un truc, je vais te le mettre. Ouais. Comment ça, elle est moins bien? Je vais acheter un truc qui est moins bien. J'ai pas fait gaffe en achetant alors. Je pensais pas. Bon, c'est pas grave. Ou alors je l'ai équipé. Non, mais ni celle l'a équipé tout de suite. Oui, d'accord, ok, celle l'a équipé tout de suite. Ok. Allez, on y va, let's go. Là, c'est l'excroissance vissier. J'ai prélevé un échantillon, mais je pense qu'ils auront besoin de plus que ça. Ouf. Oh punaise, c'est des bombes qui nous tombent sur la tronche. Même si le processus de... résistance. Merde, on va changer de... vulnérable au feu. Non, non, non. Oh mince, on peut pas. Super. Vulnérable au feu, bah c'est pas grave, on va prendre la dague. Hein. Alors... vulnérable au feu, bah moi je sais ce que je vais faire. Hein. Ça, c'est chiant pour changer, c'est pas très pratique. Tac. Mais au feu, faut voir si j'ai un truc assez bien. Voilà, lui. Voilà, voilà. On aura du feu dans les deux côtés. J'espère qu'il n'y aura pas une résistance au feu, sinon on est mal. Pas très pratique le changement d'arme comme ça. Je vais de l'autre côté parce que s'il y a un truc à récupérer... ah non, c'est bouché. Bon. Oh, t'es là toi, punaise, on t'a pas tué. Comme je préfère me battre avec le sceptre, en plus il est classe aussi celui-là. Oh punaise. Moi, si on rencontre le même type d'ennemi, ça devrait aller du coup. J'ai l'échantillon. Ah. Je me réjouis de ce voyage avec vous, Tash. J'ai tellement entendu parler des seigneurs de la fortune. Ne me touchez pas si je meurs. Oh, il y a des genres de crocos là. Ne pratiquez aucune magie bizarre sur mon corps. Je vous assure, une sentinelle est toujours... qu'entendez-vous par bizarre? Pas de magie. Oui, je vais pas à l'endroit indiqué. On va d'abord aller à l'endroit indiqué. J'ai peur de louper des trucs. Je ne sais jamais où aller dans ce jeu. Au pire, si on voit que ça va pas, que je suis pas au bon endroit, je fais le reste près de demi-tour. Parce que là ça tombe c'est pour après tout ça. Bon. Écoutez, on va aller à la quête. Parce qu'il y a des jeux où on peut explorer sans problème et tout. C'est pas trop. Mais là, je ne sais pas si je m'enfonce là où il faut pas. Ouais, c'est des genres de crocos bizarres. Hein. On va aller à la quête. De toute façon, je pense que le chemin sera bouché par là-bas. Voilà, bon ça va, vulnérable au feu, on est bon. Tout le monde est prêt. Niveau 30, le kyste de l'enclin, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Combien on est nous? 25, bon, ça peut le faire, peut-être. Oui, ça va, ils sont tous vulnérables au feu, si j'ai bien fait. D'ailleurs, toi, hop. Ah, plus de mana, bon. Ah, je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas changer notre gamme de sorts. Une fois qu'on les a, on les a, quoi. C'est dommage. Allez, on va le dégommer, lui. Voilà. On va mettre nos trucs. J'espère qu'il est... ouais, voilà, vulnérable au feu, sinon on est mal. Oh, il se sert de l'enclin, il fait des trucs, lui, hein. Ah,
Alors toi, tu vas faire un truc. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il fait détonner les cibles fissurées. On va faire applique affaiblissement. Et quand je l'aurai, l'autre... Il est à moi, il est à vous aussi, hein. Il n'y a pas de souci. On peut se partager les ennemis. Hein. Voilà, et toi ? Pouf ! Et là, on va utiliser une autre capacité spéciale. Je vais pas trop attendre. Qu'est-ce que toi ? Il est où lui ? Tac. Ah merde, c'est la capacité feu. J'avais pas choisi ça. C'est parce que j'ai changé d'arme que ça change. Attendez. En même temps, il est... Tant mieux, il est vulnérable au feu, mais moi, je pensais que j'avais le truc de glace. Ça peut le faire si j'évite de me faire trop toucher. Voilà. Le problème c'est que j'ai plus de mana et que je me fais défoncer la tronche. Pourquoi je vais pas mettre la rune là ? Voilà, mets-moi la rune. Elle l'a balancé pour rien le machin. Mais il est où lui ? En fait c'est pas la quête principale je crois lui. La quête principale elle était là-bas. Récolter les échantillons. Je crois que lui c'est un champion, vaincre le champion de peut-être une zone. Je crois que c'est ça. Pas grave. Si on y arrive, on aura fait deux quêtes en une. Oh punaise, je vais crever. Bon, allez hop, toi. Même si tu ne réapparais pas, c'est pas grave. Je suis en train de me faire éclater la tronche. Ouais, niveau 30, c'était pas ce que je voulais faire, moi. Je sais jamais quelle rune j'applique, c'est ça le problème. J'ai du mal de lui faire perdre de la vie, quand même. C'est moi qui perds de la vie là. Je crois qu'il y a des potions tout en haut là. Allez-y, cet adversaire n'attend que vous. Faire défoncer la tronche là. Je crois que j'aurais pas dû le réveiller lui. Du coup je panier l'adepte écarlate là parce qu'en fait c'était un boss niveau 30. On est un peu trop bas. Je vais remettre la même, je sais pas quelle rune j'ai. Il me reste deux potions, j'en avais vu ailleurs, elles sont où les potions là ? Bon allez toi, tu vas l'attaquer, 399. Ah oui, il y a ça aussi, invulnérabilité. Ouais, mets-moi invulnérable, on est bien. Invulnérable ? Mais je suis pas invulnérable, c'est quoi cette connerie ? Je suis pas invulnérable du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il est en train de me défoncer. On va regarder, j'avais vu des potions quelque part. Là-haut, là-haut, là-haut. Faut pas que je me fasse défoncer par ça. J'ai vu une potion. J'ai déjà prise. Il n'y a plus de potion. Oh, c'est pas vrai, il n'y a plus de potion. Bon, toi déjà. Hop. Non, c'est ça que je voulais faire ça. Mais il y a trop d'ennemis là aussi. Il est où ? Oh mon dieu, j'ai plus. Non, j'ai plus de vie. Oh, puis je les avais un deuxième. Bon, bah, on est bien.
Non, ça va, c'est le même. Attendez, j'ai cru que j'en avais libéré un deuxième. On a la moitié de sa vie quand même, ça serait dommage. Hein. Je vais attendre que l'autre, voilà, lui il puisse faire ça. Toi, tu peux faire ça. Et moi, je suis coincé. Voilà. Ça manque de potions, quand même, un petit peu. J'ai pas pensé ce qu'il peut me rendre de la vie, lui. Ouais, j'aurais dû lui demander de me rendre de la vie. Oh, punaise, ça devient chaud. Plus de mana, ouais, bien sûr. Attendez, il peut me remettre de la vie, lui. Non, pas ça, ça. Je vais reperdre la vie tout de suite, bien sûr. C'est pas prévu, je voulais juste faire la quête principale, mais je pensais pas que c'était vaincre le champion. À mon avis, c'est ça. J'avais pas encore débloqué la quête. Non, j'ai plus de vie. C'est sympa avec moi, j'ai plus de vie. J'ai plus de potion là. Y'a pas de potion là-bas? On va sortir de la zone de combat. Y'a une potion. Potion de la dernière chance, il y en a deux. Mais laisse-moi récupérer mes potions. C'est pas sympa, ça. C'est pas cool. Toi, applique ça. Toi, fais ça. Ah, il regagne de la vie. Punaise, parce que je suis sorti du combat. Sorti de la zone de combat. Merde, 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 merde. Je vais juste me reprendre un peu de vie. Pourquoi il... Dommage que ce sort là il faut du mana. Hein. Oh merde, je vais me prendre la nécrose. Toi, tu vas me remettre de la vie et tout de suite. Là, j'en étais quand même en dessous de la moitié, pourquoi il a regagné en vie lui? Ah bah voilà, bon bah je crois qu'on est mort hein. En même temps il devait me remettre de la ville, je sais pas ce qu'il a fait. Ah voilà, voilà voilà, comme tout à l'heure. Regardez la rune, c'était quoi celle-là, la dorée. Elle est censée me provoquer une invulnérabilité que je n'ai pas. La verte et la rouge, 50% de dégâts. On va prendre la rouge du coup. Je le verrouille, mais on dirait que le verrouillage il ne tient pas, je comprends pas. Là, j'ai plus de potions. Toi. Tac. Et moi. Je vais ou pas avec le truc, je ne sais même pas. En plus, il y a les petits qui reviennent. De la vie. Alors lui, ça va être le soigneur, parce que là, franchement, je suis dans la merde.
Il est où lui ? Attendez que je le défonce. La capacité s'est rechargée. Ah, mais il y a encore tous les petits qui reviennent à chaque fois. Je me suis trompé, c'était ta hache. Oh punaise, j'ai mal visé. Oh vas-y, je me suis encore trompé. Non, par vulnérabilité, ça n'a pas marché. Par contre, ça... Je le garde au coin pour qu'il me soigne. Pourquoi elle s'est pas visée Non, oh punaise. Non, je veux que... Mais il y a trop d'ennemis à cibler là. Ça, c'est... Voilà, toi tu me soignes, comme c'était prévu. Et toi... Ah, celui-là il est chiant de boss. Hein. Ah là, niveau 30, on est niveau 25, je pensais pas... Non, pas la nécrose. Allez, on y est presque, punaise. Le problème c'est qu'il y en a trop là, moi je voudrais tuer lui là, balancer ma capacité sur lui, mais il y en a trop. Soigne-moi. Allez, 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 tu vas crever, tu vas crever. Oh yes, on l'a eu. Oh punaise, on l'a eu. Et... On est niveau 25, il est niveau 30. Hein. Essence de champion, ouais je m'en doutais, c'est pour une autre quête. C'était pas prévu tout de suite. Chaque fragment nous permet d'avancer un peu plus. Ça permet une petite sauvegarde hein, parce que j'ai un peu galéré, hein. On va pas se mentir. Sauvegardons. Pas évident ce boss. Hein. On a bien fait de pas lâcher. Ok. Y a un coffre là-bas. Mais on pourra. Ouais, c'est tout en haut. On va glisser. Ok. Qu'est-ce que je dois le faire? Je dois le faire éclater? Ouais. C'est ça, l'essence de champion, c'était une autre quête en fait. Si bon bah. Si Dieu propage l'enclin, figurez-vous le monde entier à l'image de ces terres marécageuses viciées. C'est très bien. Quand ils nous diront allez vaincre le champion, on l'aura déjà fait. Par contre, l'autre côté de tout à l'heure, j'ai pas dû. J'aurais peut-être dû aller explorer parce que là, du coup, ça, j'ai commencé mais j'y suis pas allé. Ah, c'est une autre quête. Ah non, enquêter. Ah bah de toute façon, on devrait y aller. Ah non, se trouver les démons. Bon, j'ai bien fait de pas y aller. Parce que c'est vaincre le champion encore. Bon, bah, c'est bon, on en a assez avec le champion. On va aller là. De toute façon, c'est des zones assez compliquées, assez grandes à explorer. Donc on y reviendra, je pense. Des problèmes, là-bas. Je vais prendre le truc de téléportation. Et ça aussi. Je ne suis pas contre quelques petites potions de santé. Oh, il y a un ennemi, Qu'est-ce qu'il faut là, lui? Rembarque-toi, toi. Ah, mais... Ok, il y a des potions. Parfait. Deux d'un coup. Oh, bah, je dis pas non.
D'ailleurs, lui, il va peut-être me soigner aussi. Hop. Péter les caisses. Je sais que ta quête est en bas, mais je veux monter voir. Ah bah voilà le coffre de tout à l'heure. Il est ici. Oh, pas mal. Un dégât de froid, c'est bien aussi. Mais pour l'instant, les ennemis qu'on a sont faiblesse feu. Donc on va laisser celle qu'on a. On va redescendre. Puis on voit la quête directement, hein. J'explorerai un autre moment. De toute façon, je pense que... Ah! Tiens, toi je t'avais pas tué. T'arrives trop tard, tâche, j'ai tué tout le monde. Bien. J'avais besoin d'action. Donc là on en vient. Ouais bah c'est tout. Ah, attendez, il y a un truc là. Attendez. Je peux peut-être dégommer le... Que la mort soit cruelle. Ok. Il creusait tout... sans cesse dans le même sens. Okay. Il cherchait. On peut rien trouver en creusant comme ça. Peut-être que c'est par rapport au trésor de tout à l'heure. Hein. Ouais, j'ai pas tout lu, mais bon, il y a beaucoup trop de trucs... Bon, on y va, hein. Attendez, le truc là-bas, est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, non, c'est le... Bah justement, c'est... Ici, c'était une ferme. Ah, il y a ça. Et des maisons. Des gens vivants. Ah, il y a une potion là-bas. Et ici, par contre, que dalle. Pourquoi je suis grimpé? Je vais prendre les potions. Il y a plein de potions, c'est cool. Regardez cette baliste, ça pourrait être utile. Sympa. Ah oui, mais elle est... Ouais, je peux pas l'utiliser, là, le problème. Bon, on va y aller. On va aller à la quête. Ouais, là-bas, on ira plus tard. C'était quoi? C'était vaincre un autre champion, je crois. Ah, là, il y a un truc là-haut. Est-ce que ça nous aide ou pas ce que j'ai fait là? Je ne sais pas. Je vois pas d'échelle. Comment on grimpe par là? On peut faire la quête principale et dégager tout ce truc là. Ah, il y a ça aussi là-bas. Qui me bloque le passage. Non, c'est pas le... Ouais, bon, on résoudra le mystère plus tard. Ça prend trop de temps. On m'a déjà mis une demi-heure sur le combat de tout à l'heure. J'espère qu'on pourra revenir. Je pense que oui, hein, parce qu'il y a beaucoup de coffres. Et il y a 18 coffres au total, ouais, donc on pourra revenir, je pense. Des combats, droit devant. Encore? T'as vu ça, toi, des combats droit devant, y'a personne? Qui veut se battre? Mais qui est... What? Il est tout seul, en plus, qu'est-ce qu'il fout là, toi? Bon, allez, on y va. Je sais pas comment on... là-bas, le truc, la malédiction, là. Ah ouais, y'en a là. Alors ouais, je vais regarder si quand on change d'arme, ça... Attendez, il faut qu'on termine le combat, ça change la compétence de feu, parce que... Moi, j'avais choisi une compétence de glace pour elle. Cet écho a fait des promesses, et après... Vous pensez qu'il les a tous possédés? Voilà. S'il n'y a pas de combat, je voudrais regarder. Ici, j'avais choisi
Ça, moi. C'est parti! Bon, on prend ça et on se casse. Ah, il y a un petit coffre ici. Oh, puis il y a une statue de Fenarel. Encore un hôtel à Fenarel. Ouais, un hôtel ou une statue, c'est pareil si tu veux. J'arrive jamais à savoir ce que ça fait ce truc là. Ça a ouvert une voie quelque part? Normalement oui. Hein. Ça ouvre aussi la voie d'un boss souvent. Ça va chauffer. Oh, on va la mettre direct. Qu'est-ce que je dois faire déjà avec les... Je sais plus ce que je dois faire avec les hôtels de Fenarel, là. C'est un coffre ou c'est un passage secret avec un boss? Je ne sais plus. C'est pas loin, il y a un truc à faire pas loin, c'est sûr. Bon, sinon tant pis, je le ferai plus tard. Mais qu'est-ce qui me saoule? J'ai même pas le temps de réfléchir tranquille. Non, c'est pas grave. On continue la quête, je la ferai plus tard. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire avec la statue de loup là. J'en ai fait plusieurs, mais je me rappelle plus ce que je dois faire. L'autre jour, je crois que ça a ouvert un passage. Et hop, il y avait une quête et un truc. Et... Mais là. Ouais, je dis que je m'en vais, mais j'ai envie de comprendre. J'ai envie de la faire, cette statue, moi. Souvent, ça me donne de la santé, tout ça en plus. Et là, je vois pas, ça fait rien. Ça a peut-être ouvert un truc, mais alors j'ai pas vu quoi. Hein. Bon allez, on y va quand même. J'en ai marre, au bout d'un moment. C'est par où déjà? Ah bah si, il y avait ça. C'était ça l'hôtel de Fenarel. Ça a fait apparaître ça. Bon allez, on y va. On vient pas de par là. Bah c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on en vient. Ah, peut-être qu'il faut y retourner pour la quête. Attendez, mage de la mort, vous mangez? Bien sûr, pourquoi pas? Des trucs de mage de la mort? J'ai pris des toasts à la confiture il y a une heure. Bah ouais, on en vient de tout ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Bah merde. J'ai fait tout le tour alors qu'il fallait aller ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais pas là tout à l'heure. On va pouvoir utiliser la baliste, ça c'est bien. Non, ah même pas. Par contre, on peut, voilà, péter le truc. Oh là là. Oh punaise, encore? Ça va un petit peu. Bon ça va, celui-là il va pas être... Il va être moins dur, mais quand même. Quand même. Il est quoi lui? Vulnérable au feu toujours, donc on est bien, donc on va lui balancer ça.
Et du coup, j'ai envie de me battre avec le bâton aussi. On va mettre la petite prune, hop. Toi, tu fais ça. Merde. Ah si, invulnérabilité tout à l'heure, ça a pas pris en fait. Et ça dure pas. Ah oui, mais ça dure pas en fait. C'est un effet qui dure hyper pas longtemps. C'est la caméra dans les combats, elle est pas toujours dingue. Je fais ce que je peux pour me barrer, mais... Il y a des compétences, j'aurais dû les mettre pour les coéquipiers, ça veut dire qu'ils font diversion et tout, j'aurais dû les mettre. Allez, j'ai plus de mana, donc on y va. J'arrive pas bien avec le bouclier en fait. Parce que je peux pas vraiment beaucoup parer. Et là, on y est. Ah c'est bon, j'ai dit. Il y a un truc à récupérer sur lui ? Non. La petite potion qui va bien, j'en avais vu d'autres aussi. Y a rien là-bas, je pensais. Ah bah si, il y a plusieurs trucs à faire. Oui, tout à l'heure j'explorais pour rien, de toute façon il fallait y venir pour les quêtes quoi. Ah bah voilà, bah, ce truc-là il est revenu alors que j'avais eu. N'empêche que je sais pas comment on monte là-haut. Ça j'ai pas... Je ne sais pas. On va faire les autres parce que celui-là j'ai pas. Je ne sais pas. Puis de toute façon c'est pas la quête. Hein. On est d'accord. Attendez. Oui voilà, c'est parce que c'est les. À chaque fois je me fais avoir parce qu'il y a des symboles, mais. Ah c'est des coffres. Trouver les messagers de la famille disparue. Ah c'est. Il y a un coffre. Ah c'est con. Est-ce que je peux pas tirer avec la baliste? Bah non, il n'y a aucun point faible. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Ouais, il y a un truc. Il y a une échelle. Ouais, ouais, mais comment on monte, quoi? Bon, on va continuer la quête, sinon on n'avancera pas. En plus, on a bientôt fini, je pense. Ah, et bah il y a un coffre, là aussi. Parce qu'on a tué le boss. Oh, yes! Ah, je vais pas équiper. Bah du coup, elle est mieux, on va le mettre. Hein. Je pense que c'est bon, après on aura fini. Et un autre échantillon. Cela doit suffire pour procéder à une analyse. Ouais, retournons voir FK et Antoine. Ah voilà. Donc le reste, j'y retournerai plus tard parce que là, je sais pas trop. On va se téléporter. Là, il y avait un coffre aussi. J'ai loupé. Ah ouais, le gros, il est gros un peu celui-là. Hein. On va pas leur laisser. Oh yes. Je suis déjà équipé, ok. Mais ça débloque un effet. Bon bah, téléportons-nous. Hein. Du coup. C'est ici, je crois. Me téléporter? Ah non, j'y suis déjà. On va devoir tout faire à pied. Quand même. La corruption de l'enclin a obstrué l'entrée. Je crois qu'on peut débloquer l'accès. Je sais même plus si on n'est pas déjà venu par ici. Ah voilà. Ce
qui est arrivé est arrivé. Toi, tu vas me soigner un petit peu. Non, me soigner, j'ai dit. Oh, c'est pas mal, on aura battu un boss. Presque fait deux quêtes en une, en fait. C'est plutôt pas mal. Juste le mettre, j'aime bien pour les effets, c'est classe. Ça fait plein d'effets magiques, j'aime bien. Et on aura avancé dans la quête principale, plutôt pas mal. Antoine ? Antoine ? Oui ? Ah, oui. Les échantillons d'Anclin. Ça ressemble à rien de ce qu'on a vu, ou de ce qui existe dans les annales des gardes. Et j'entends... J'entends presque des voix, dedans. Les dieux appellent l'Anclin. J'entends rien, mais si tu me crois, on savait que les choses allaient mal. Mais si l'Anclin est appelé, la situation est encore plus imprévisible qu'on pensait. Il faut qu'on... Je vous laisse un peu d'autonomie, et voilà où ça nous mène. Vous avalez les mensonges de Rook ? Au commandeur, je... Ne vous approchez pas de l'Anclin et des gardes. Combien de fois dois-je vous le dire ? Oui, mais on a trouvé quelque chose. Bon, mais on a trouvé des preuves. FK et Antoine... Se laisse distraire trop facilement. Rook savait que quelque chose clochait. Je l'entends dans les échantillons. Les dieux... Elle dit la vérité. L'Anclin a vraiment changé. Et ça change tout. Ça ne change rien. Votre sensibilité à l'Anclin est utile, garde Antoine. Mais plus d'une personne vous a mis des idées en tête. Pourquoi écouter les personnes qui savent ? Vous, vous gérez, c'est sûr. Ça suffit comme ça. Et bim. Vous avez perturbé un rituel qui a libéré de l'Anclin. Vous ignoriez ce que vous faisiez et vous ne le savez toujours pas maintenant. Si les dieux contrôlent l'Anclin, nous devons changer notre approche. Les archidémons contrôlent l'Anclin et nous le saurions si l'un d'eux s'était réveillé. Nous ferions les sacrifices nécessaires pour l'affronter. Mais nous... L'Anclin s'est bien développé. Ce n'est pas le moment de perdre de vue l'essentiel. Garde FK et Antoine, avez-vous fait le serment de combattre l'Anclin ? Oui, mais... Alors rentrez faire votre rapport à Weisshaupt et combattez-le. Ça s'est mal passé. Non, même c'est pour vrai. Une conversation avec lui. On met ça, après tout. Quel connard ! Beaucoup de gens vont mourir à cause de son arrogance. Peut-être. On n'a pas convaincu la garde. On ne peut pas t'offrir l'ordre, mais nous, on est avec toi. On va continuer de traquer les engeances et l'Anclin. On fera tout notre possible. Et si on apprend les projets des dieux, tu le sauras. Cool. La déesse elfique des monstres nous a compliqué la tâche. Elle avait soumis les engeances et les avait rendues plus dangereuses. Désormais, elle et Elgarnan tenaient leur nouvelle armée triomphante. Les dieux affranchis étaient prêts. Et leur cible était toute trouvée. Ben on a encore du boulot. Ah voilà, quête terminée. Un nouveau danger. Antoine et FK ont tenté de convaincre le haut commandeur que l'Anclin était modifié et que les dieux en étaient responsables, mais il n'a rien voulu entendre. Bien qu'on leur ait ordonné de rentrer. C'est quoi là, Emric et Tash ? Il a augmenté. Ok, il n'a rien voulu entendre. Voilà. Bien qu'on leur ait ordonné de rentrer à Weshopt, Antoine et FK ne comptent pas abandonner et ont promis de continuer à enquêter sur l'Anclin et de prévenir l'équipe si la situation évolue. Pas mal en XP aussi. Il accepte enfin qu'on se rencontre pour faire le point, puis il t'accuse carrément d'être un menteur. Je crois qu'il parlait de toi aussi. Merci. Je vais juste changer... Ouais, les points, je verrai plus tard, mais je vais juste changer le... Je vais mettre le plus haut en dégâts. Hein. On avait de l'électricité aussi qui est fort, j'avais amélioré. Ou alors, non, c'est ça, je voulais remettre mon bâton à moi. Mon bâton de dégâts nécrotiques. On est bien. On est bien. Je verrai les compétences plus tard. Si. Voilà, donc on a fini la quête.
On va s'arrêter là. Je vais me mettre à un endroit assez joli, même si c'est quand même assez foncé et tout. On va se mettre là. Je peux vanter dessus. Ça aurait été plus joli. Ouais bon, on va se mettre comme ça. Du coup, c'est la fin de cette vidéo sur Dragon Age The Veilguard. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !